Allô, bonjour. Bonjour. Oui, vous appelez du Bénin, il paraît. Oui. D'accord. Quel est votre témoignage ce matin? Le témoignage, c'est que je priais hier que si papa ne me localise pas aujourd'hui, il est un fou prophète. Mais à ma grande surprise, ce matin, si je priais, lorsque papa a crié, non, qu'il y a une dame, la Sérate, qui est en train de pleurer devant son écran. Donc, je lui fais signe. C'est ça mon témoignage. D'accord, j'ai donné le nom. Votre nom, est-ce que ça coïncide avec le nom que j'ai donné? Oui. Le nom, c'était quoi? Nafiratu. Pardon? Nafiratu. Nafisatu. Nafiratu. Ah, votre nom c'est Nafiratu? Oui. D'accord, moi je parlais de Nafisatu, c'est pas Nafiratu. Oui, c'est ça. Moi c'est Nafi, attendez, c'est Nafisatu. Vous comprenez? Oui. Nafisatu, oui. Attendez, bon, dans tous les cas, le Seigneur est bon, vous comprenez? Oui, pas. Le Seigneur est bon, que Dieu vous bénisse. Oui. Qu'est-ce que vous attendez que Dieu fasse? Qu'est-ce que vous attendez? Vous êtes musulmane ou chrétienne? Je suis musulmane, mais vous êtes... je veux que Jésus me reconnaisse comme son fils. Oh, et j'aime ça. Je veux me connecter avec lui jusqu'à ma mort. Et mes parents m'ont rejeté à cause de lui. Parce que mon mari est chrétien. Bon, je veux qu'il soit avec moi et mes frères, je sais, comprennent que... je suis toujours avec lui et un jour, il saura que... Oh, Seigneur! Oh, alléluia! Oh. Elle est sous l'esprit, elle est sous la domination de l'esprit, elle est sous l'esprit. Oh, Seigneur! Et un jour, il sache que... il est unique. Oui. Le Seigneur, il est bon. Jésus est bon. Et tout ce que j'entreprends, je joue toujours. Même si là où je suis, tout ce que je vends, c'est zéro, je tombe à zéro toujours. Donc je veux qu'on prie avec moi ou que je suis avec Jésus toujours. Oh Seigneur. D'accord, écoutez, je vais vous parler. Est-ce que je peux vous parler? Restez, soyez attentifs, oui. Je sais que l'Esprit de Dieu est sur vous. Moi aussi, je suis un ex-musulman. Mais il faut savoir que même le Coran exalte le Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Vous savez déjà que dans la sourate Maryam, la 19e sourate, verset 33, Jésus dit « Wassalamu alayhi yawma wilitu wa yawma amutu wa yawma ubatu ayan dalika isamnu Maryam akawlal haki ladhi fi yam taruna » Ça, c'est l'arabe. Le Coran dit là-bas, Jésus dit que la paix soit sur moi le jour où je suis né, le jour où je vais mourir, le jour où je vais ressusciter vivant. Et le Coran dit, tel est Jésus, fils de Marie, parole de vérité dont il doute. Donc même dans le Coran, Jésus-Christ reconnaît qu'il est ressuscité. Et nous enseignons un Jésus ressuscité. Maintenant, écoutez, Dieu veut vous faire du bien. Vous comprenez? Oui. Je veux vous parler de quelque chose, d'accord? Oui. Je veux vous parler de quelque chose par l'Esprit de Jésus-Christ. Oui. Lorsque vous étiez plus jeune, quand vous étiez encore plus jeune, lorsque vous étiez plus jeune, vous aviez une amie qu'on appelait Aïssatou, comme Aïssatou. Hein? Vous aviez, vérité, vous aviez une amie qu'on appelait Aïssatou. Oui. C'est ça? Oui, papa. Elle est où maintenant? Oui, papa. Elle est où maintenant? Il y a l'onction sur moi, je tremble de partout, papa. Il n'y a pas de problème, je vois ça, je vous vois trembler de partout devant votre téléviseur. Vous êtes devant, vous êtes devant votre télé. Oui. Et votre télé, c'est une marque Samsung. C'est une petite télévision Samsung. C'est écrit Samsung sur ça. Papa, hein? Vérité, papa. C'est ça. Vérité. Votre télé est posée sur un petit meuble en bois. C'est sur ça que vous avez posé votre téléviseur. Vérité, papa. C'est ça. Vérité. D'accord. Écoutez, quand vous étiez une jeune femme, vous aviez une amie vérité, qu'on appelait Aïssatou. C'est ça. Oui. Oh, elle est partie. La femme, si, je ne sais pas si le téléphone c'est le crédit. Je voulais lui parler. C'est quel téléphone? Oh là là, elle est partie. Ouais. Comment la prophétie suit comme ça? Oh. La femme, si Seigneur, je vais faire comment pour joindre la dame, si. Il y a le crédit. Je l'ai eu là, c'était 11h29. C'est ça ici.
D'accord. D'accord. C'est bien, on va rappeler le Bénin, c'est important. Zamati wa inna aslumi deklas no rabana utorfa in arma wa in aslaw dagum. Allô? Allô, oui, papa. Voilà. Écoutez, écoutez ce que je veux vous dire. Parce que Dieu veut vous délivrer aujourd'hui. C'est le jour de votre délivrance. C'est le jour de votre restauration. Vous, à l'époque, vous aviez votre amie, ce qu'on appelait, j'ai dit, elle s'appelait Aïssatou. C'est ça, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez où elle est aujourd'hui? Allô? Est-ce que vous savez où elle est, votre amie, là? D'accord, on l'appelait comment? Madame, je n'ai pas assez de temps, hein. On va finir bientôt. Oui. Et c'est l'occasion que vous avez pour recevoir votre prophétie. Votre amie là, vous ne savez pas où elle est, c'est ça? Allô? Oui, papa. Vous ne savez pas où elle est, c'est ça, n'est-ce pas? On l'appelait comment? D'accord. Maintenant, à cette époque, ce n'est pas la seule amie avec qui vous marchiez. Vous aviez une autre amie. Vous étiez trois. Vous avez une autre amie qu'on appelait Aminata. Oui, papa. Hein? Oui, papa, vérité. Vous avez une autre amie qu'on appelait Aminata. Oui, papa. Je ne sais pas la raison maintenant. C'était vos deux meilleures amies. Oui. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Parce que vous dites que vous ne savez pas pourquoi votre vie est bloquée. Oui. À l'époque où vous aviez vos deux amies, Aïssatou et Aminata, il y a un jeune homme qui était tombé amoureux de vous qu'on appelait Issa. Oui, vérité, papa. Vous vous souvenez de lui? Je ne sais pas la raison maintenant. D'accord. Vous vous souvenez du jeune homme? Oui, papa. On l'appelait comment? Allô? Oui, papa, vérité. Vous vous souvenez de Issa? Est-ce que vous vous souvenez de Issa? Oui, papa. D'accord. À l'époque, Aminata était amoureuse de Issa. Oui. Et elle vous a dit qu'elle aussi elle aimait Issa. Oui, vérité, Issa. Je ne sais pas la vérité, papa. Et vous avez demandé à Aminata que comment tu peux aimer un garçon qui dit qu'il veut m'épouser, que c'est moi qui l'aime. Oui. Et vous avez eu les problèmes avec Aminata. Le jour là vous étiez à trois, vous, Aïssatou et Aminata. C'est vrai, papa. Aminata s'est fâchée contre vous. Elle est allée chez un marabout quelque part qu'on appelle comme Abon. Où c'est Abon? Où c'est Abon? Hein? Comme Abon. Elle est arrivée là-bas, un endroit qu'on appelle Abon. C'est un endroit où il y a trop de marabouts. Elle est entrée dans la case des marabouts qu'on appelait Fefe. Elle a pris votre nom. Elle a demandé qu'on vous bloque, que vous ne vous mariez jamais et qu'elle récupère Issa. Voilà où votre problème a commencé. Oh, papa, délivre-moi ce matin-ci. Touchez votre téléviseur, je vais prier. Vous êtes délivré. Père, j'ordonne dans le nom puissant et souverain de Jésus de Nazareth. Amen. Que ma fille soit délivrée. Dans le nom de Jésus. Toute incantation faite par Fefe, ben je retourne ça sur lui. Et je retourne ça sur celle qui a demandé cela. À partir d'aujourd'hui, les portes fermées sont ouvertes dans votre vie. Dans le nom puissant et souverain de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et je me réjouis pour votre délivrance aujourd'hui, au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour cette fois. Il fallait que cette prophétie arrive. Regardez cette téléspectateur. La distance n'est pas une barrière. Elle est au Bénin, nous sommes ici. La parole de l'Éternel est éprouvée dans ce ministère. Ce qui a été dit est fait. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Quel que soit l'endroit où vous me regardez,
une parole proclamée à partir de cet endroit s'accomplira où vous êtes. Que ce soit en Europe, en Asie, en Afrique, recevez la délivrance aux États-Unis. Quel que soit le problème qui était devant vous, je dégage ce problème au nom de Jésus. Je dégage ce problème au nom de Jésus. Un ange est envoyé pour vous secourir. Recevez cet ange maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, j'ai prié. Amen. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous appelez du Bénin, c'est ça? Oui. D'accord. Je veux comprendre pour ma soeur, si nous pas pour qu'elle gagne un bon mari. Et j'ai une soeur aussi, Jamila. Je veux un bon mari. C'est vous qui avez appelé tout à l'heure? Oui. C'est vous qui avez appelé tout à l'heure? Oui, papa. D'accord, je prie Seigneur pour sa famille et ses soeurs. Qu'elle trouve de bons maris. Qu'elle trouve de bons maris. Qu'elle trouve... Attendez, attendez. Jamila est où? Pardon? Jamila, elle est où? Au village. Hein? Au village. Elle est au village, c'est ça? Oui. D'accord. Donc vous voulez qu'elle se marie? Oui. Mais est-ce que vous ne savez pas qu'elle a déjà un mari? Non. Vous ne saviez pas? Non, bon, moi je suis au Cameroun. Comment c'est moi qui vais vous informer? C'est le Saint-Esprit, papa. D'accord. À l'heure où je suis en train de parler, il y a un monsieur qui aime votre soeur Jamila, oui, qui veut l'épouser, oui, qu'on appelle Idriss. Moi, papa, je veux qu'elle se marie avec Koudou. Pardon de prier. Parce hein? Que le papa, il y a une femme, l'autre Idriss là. Vous dites? Je veux qu'elle se marie avec Idriss parce que l'autre a déjà une femme. Ok, vous connaissez Idriss? Oui, papa. Il est où? Allô? Il est où? Il est où, Idriss? Idriss, au village ensemble. On l'appelle comment? Idriss. D'accord. Attendez, regardez. Oui. L'homme que vous voulez, oui, que votre soeur, qu'il épouse votre soeur. Oui. Il est lent. Oui. Vous comprenez? Il oui, est lent. Papa. J'ai vu votre soeur accepter Idriss. Oh. Donc, pourquoi? Parce que son crédit encore fini, mais cette fois on va pas rappeler. Pourquoi? Parce que vous voyez, les gens doivent comprendre quelque chose. C'est que tu aimes une femme, mais tu oublies qu'il y a aussi un autre homme qui aime la même femme. Toi, tu es là, tu es lambinant, et donc Youssouf, lui, il est lambinant, et Idriss, lui, il court rapidement. Et donc, Idriss va venir, va mettre les moyens en jeu, il va prendre la femme, va la mettre là comme une deuxième femme, parce que leur religion permet cela. Père, merci pour ta grâce au nom de Jésus. Je prie pour tout le monde.